volonté d'étudier les différents styles décoratifs à travers les âges m'a amené à comprendre l'art contemplatif de chaque époque. Aussi, chaque période qui couvre les 70 siècles d'histoire décorative est une ébauche, un relais. Il ne tient qu'à vous d'approfondir, d'étudier encore plus la question, tant il y a d'ouvrages à découvrir. Au fil de mes lectures, je me suis très vite rendu compte que peu de gens savaient reconnaître les différents styles, et qu'il était monnaie courante d'inverser, de mélanger et de trop souvent se tromper. En se trompant, on trompe ainsi un peu les autres, parce que l'on porte un message incomplet. S'il est vrai que la décoration est l'affaire de tous, et que l'on trouvera facilement une symbiose entre deux univers totalement différents sans pour autant dénaturer le décor final, alors si vous parlez d'un style Renaissance, ne le confondez plus avec celui du baroque. Ceci étant dit, commençons par le début. Au commencement, il y avait les anciennes civilisations. La période courait depuis les pyramides de l'ancienne Égypte, vers moins 5000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476. Observable par le prisme de l'archéologie, elle brille encore aujourd'hui à travers l'héritage architectural qu'elle nous a légué. Les siècles s'écoulant, et si l'on s'attarde à observer l'architecture et le mobilier de chaque époque, nous pouvons définir ces époques par style décoratif. Aussi, il est important de comprendre que les termes utilisés ici n'étaient pas forcément reconnus par leurs contemporains, et que même pour certains, comme le rococo, il était même une forme ironique et péjorative de les nommer. Notre histoire commence au balbutiement de la décoration dans l'Europe du Moyen-Âge. Nous sommes au Moyen-Âge, période qui s'étend entre le 5e et le 15e siècle. Et c'est au 15e que les écrivains italiens décrivèrent pour la première fois la période dite gothique, s'inspirant alors de ce peuple barbare qu'étaient les Goths. Quelques siècles plus tard, la période du gothique était réduite à la seconde moitié du Moyen-Âge, débutant alors autour du 11e siècle. Trois âges clarifient la période: le gothique primitif, le gothique rayonnant et le gothique flamboyant. Le style gothique est facilement reconnaissable par son aspect rustique et austère. Les deux principales résines utilisées étaient le sapin et le chêne. Les décorations n'étaient pas forcément très travaillées, on cherchait l'utile plus que le décoratif. Les meubles étaient alors massifs et les teintes étaient très sombres. L'art gothique était étroitement lié à la pensée scolastique, philosophie qui laissait le temps aux clercs d'étudier à leur guise. La Renaissance est cette période qui s'étendit depuis le 15e siècle jusqu'à la fin du 16e. C'est un mouvement qui prit forme en Italie et qui marqua très clairement la fin du gothique. Le style Renaissance se reconnaît par l'utilisation de pilastres.
ses colonnes plates encastrées dans un mur, ainsi que la présence de colonnes qui, elles, étaient isolées de leur environnement. La marqueterie italienne, souvent composée d'arabesques, était omniprésente dans le mobilier. La profusion de dorures et d'ornementations était typique de cette époque, lui conférant un style extravagant en comparaison au gothique. Nous sommes entre 1610 et 1661. C'est la courte période que couvre ce style inimitable que l'on peut observer dans les châteaux français, entre autres. Il aura fallu attendre l'époque de Louis XIII pour voir le confort s'installer définitivement dans les foyers. Les assises devenant plus confortables, les tapisseries d'ameublement et de style flamand firent leur apparition. Ils se côtoyaient des moulures aussi diverses que les tas de sable, les pointes de gâteau et les pointes de diamant. L'ornementation était principalement florale, l'ensemble étant harmonieusement marié aux lignes volutes des feuillages. On vit apparaître également l'incrustation d'ivoire et d'écailles de tortue dans les marqueteries raffinées d'André Charles Boulle. Les meubles demeuraient cependant assez foncés, en raison de l'utilisation d'essences comme celle du poirier, de l'ébène, du sapin, du noyer ou du chêne. Encore une fois, on doit le style baroque aux Italiens. Si le style varie selon les pays, on s'accorde à en trouver ses origines dès le milieu du XVIe siècle. Le style baroque connaît ses balbutiements en France, plus ou moins sous le règne de Louis XIV. Aussi court-il jusqu'au XVIIIe. Il est différent selon si l'on fait allusion aux intellectuels, à l'histoire ou à l'art. Le mot baroque viendrait du mot portugais barroco, signifiant perle irrégulière. Les tableaux dont sont issus la peinture baroque sont là encore une richesse de détails désignant clairement l'époque. Les couleurs sont chaleureuses, les contrastes de lumière saisissants. Le style baroque est défini par son aspect massif et chargé. La liberté des formes, la profusion des ornements. Il se manifeste autour de grands escaliers monumentaux, tels celui jadis conçu par Lebrun pour le château de Versailles, mais qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Le luxe est alors porté à son paroxysme. Il y a là des tapisseries et des peintures, de magnifiques meubles de marqueterie sertis de cornes, d'ivoire et de nacre. On fait appel à nouveau au style de l'Antiquité à travers de magnifiques ornements floraux auxquels on adjoint des motifs de lions, des palmettes, des guirlandes et des coquilles. Le bronze fait son apparition sur les serrures et les poignées. Aussi des murs sombres ou vifs pourront mettre en valeur tout le mobilier du baroque, le noir, le pourpre, les rouges et les mauves. Nous sommes sur une très courte période qui se situe aux alentours de 1715 à 1720. Après le baroque, la décoration connaît comme une transition vers un univers plus léger et fin, tout en conservant une certaine élégance. Cette période correspond en tout point à la régence de Philippe d'Orléans, qui dirigeait le pays durant l'enfance de Louis XV.
et c'est au niveau des meubles que la transition apparaît clairement. Les tables deviennent plus petites et les essences encore plus variées. On retrouve alors le chêne, le hêtre, le noyer, le sapin, le peuplier, le poirier, le bois exotique et d'autres bois importés des compagnies des Indes font aussi leur apparition, comme le bois asiatique ou africain. Nous sommes sous le règne de Louis XV, autour du XVIIIe. Durant de longues années, le terme rococo conservera un caractère péjoratif. Étymologiquement, le terme est une association du mot baroque et du mot rocaille. La rocaille étant ici une ornementation somptueuse de formes sculptées finement pour décorer les meubles ou les objets de l'époque. Il n'existe pas de style rococo dans l'architecture. Aussi, ce style est-il attribuable uniquement à la décoration intérieure. Le style rococo est dans la parfaite continuité du style régence imposé par son époque. Les pièces en enfilade disparaissent au fur et à mesure. Les tapisseries et les murs adoptent une élégance presque féminine, les ornements floraux étant très utilisés. Les formes ovales et rondes font leur apparition sous une silhouette plus voluptueuse et subtile. Aussi, l'inspiration baroque est-elle flagrante, tant pour les formes que pour les dessins complexes. L'apparition de compositions asymétriques ainsi que des formes orientales en est pour beaucoup responsable. Le bronze accompagne en tant qu'ornement les meubles et les accessoires décoratifs. Nous sommes dans le dernier quart du 18e. Les décors se caractérisent par le minimalisme et la sobriété. Même si les décors sont toujours aussi riches, ils tendent tout de même sur un style moins chargé que le rococo. Le goût prononcé de Louis XVI pour le classicisme est frappant. Il est en parfaite opposition avec celui de son aïeul Louis XV et ses rocailles. Les motifs végétaux se marient idéalement avec l'antique. Ce rétro-pédalage artistique est explicable par les découvertes des villes d'Herculanum en 1738 et de Pompéi en 1748, forçant l'inspiration des nouveaux décorateurs. Les dorures sont apposées par petites touches et les meubles se parent de pieds en forme de colonnettes, largement inspirées de l'Antiquité romaine. Quand bien même nous retrouvons des guirlandes de feuilles, toutefois, l'ornementation se fait plus discrète et laisse plus de place à l'essence même du bois. On y trouve de l'acajou, du palissandre, du buis ou bien encore du merisier. La draperie habille les meubles avec élégance, sans jamais opposer de couleurs criardes. Le vert céladon harmonise avec douceur et discrétion les ensembles. Les corniches et les moulures sont tout aussi discrètes que le reste du style. La plupart du temps, les encadrements des ornementaux sont ovales, mais il n'est pas rare de contempler des encadrements rectangulaires, très allongés à l'horizontale. La période directoire est une période de transition historique, tout comme de transition décorative. Elle n'est pas une entité indépendante, mais bien un trait d'union entre les deux époques. Elle se situe entre la toute fin du 18e et le tout début du 19e. Son emplacement dans la longue chronologie de la décoration fut la conséquence de la Révolution française. Dès 1791, la Révolution supprime les corporations de métiers et avec elles les normes qui régissent les règles de l'art. Plus de règles, plus de style, la liberté retrouvée au prix du sacrifice d'un savoir-faire centenaire. Aujourd'hui, être révolutionnaire serait plutôt de revenir à un style différent du style du directoire, celui qui, en interdisant d'anciennes règles, en introduit inévitablement de nouvelles. Apparaissent alors dans les décorations des bonnets phrygiens, les arbres de la liberté, des mains unies, des armes, des casques, toute
toute l'imagerie belliqueuse et révolutionnaire servira de décor. Elle efface peu à peu l'importance du décor pour le rendre le plus sobre possible. Les formes se simplifient, les teintes deviennent rares, largement inspirées par des modèles décoratifs gréco-romains, prépondérants à ce style. Apparaissent toutefois les premiers décors de style égyptien. Les formes géométriques telles que les ellipses, les polygones ou les losanges sont appréciées. La palmette est omniprésente dans l'ornementation, ainsi que les cygnes et les sphinges. Des allusions à l'armée viennent agrémenter les panneaux, des casques, des trophées, des sabres. Très peu de bronze décore les piétements. Une monarchie pour un tyran autoproclamé empereur. L'histoire est parfois farceuse. Le style empire prend ses racines dès l'avènement de Napoléon Ier. Il s'étalera une petite vingtaine d'années, depuis 1803 à 1821. Largement inspiré par les campagnes d'Égypte et d'Italie, le style empire est d'inspiration militaire. Des meubles imposants à la sobriété des décors, de grandes draperies aux murs, le bronze revient en force et ranime des ornements aussi imposants que les cariatides et autres motifs tout aussi brouillons qu'éclectiques. La mythologie égyptienne s'invite à Paris. Un bestiaire antique apparaît, comme des sphinx, des lions ou des griffons. Même si l'acajou est très répandu et utilisé, de nouvelles essences de bois apparaissent, telles que le tilleul, l'érable ou le frêne. Le jaune d'or, le vert, le cramoisi, le violet et le pourpre sont prédominants dans les décors de style empire. Nous sommes entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, le retour à la monarchie, d'où le nom de Restauration. Par souci d'économie, Louis XVIII, comme Charles X, se contente de poursuivre les chantiers entrepris sous l'Empire dans le même style. En revanche, la construction privée telle qu'on la connaît aujourd'hui prend son essor jusqu'en 1828. Les travaux sont alors réalisés par des ouvriers formés à la fin du siècle précédent ou sous l'Empire. On reprend les ornements des styles Louis XVI, du Directoire ou de l'Empire. Les proportions ne sont plus aussi harmonieuses. D'ailleurs, la taille même des meubles s'élargissent. Le mode est au mobilier XXL. Les motifs militaires et mythologiques disparaissent et laissent place à des nymphes, des pattes de lion, des chimères. Dans les intérieurs privés, les anciens lambris servent de base à un tissu à semis de fleurs ou un papier peint bordé de larges frises. Les moulures à rinceaux, à rosaces ou de style grec attestent d'une recherche d'élégance. Le blanc et les teintes claires sont très prisés. La tapisserie commence à jouer un rôle prédominant dans la décoration. Le blocus continental rend les bois exotiques difficiles à acquérir. Alors les bois utilisés sont ceux que l'on peut se procurer plus facilement. Ils sont aussi beaucoup plus clairs. Il y a là des essences d'orme, de frêne, d'hêtre, de sycomore ou encore d'érable ambré, de citronnier et même d'oranger. Ces derniers sont incrustés en marqueterie de bois plus foncé, comme l'acajou ou le palissandre. Les bronzes se font à nouveau discrets, les courbes font à nouveau place à la rectitude du style précédent. Suite à l'introduction de nouvelles méthodes induites par le machinisme pour aider l'ouvrier, ainsi que la recherche du confort avant tout, dans l'ensemble et sous la restauration, on constate peu à peu un appauvrissement des décors. Nous quittons le 19e siècle pour découvrir de nouveaux courants de design. «
Largement inspiré de la lithographie tchèque, l'Art nouveau arrive à grand fracas sur les façades parisiennes en ce nouveau siècle. Même son métro se pare de ses courbes, qui finalement le caractérisent si bien aux yeux des touristes étrangers. L'Art nouveau est une réaction à l'incessante utilisation des styles plus anciens. Il durera environ 30 ans. Les ornements sont largement inspirés par la nature. On y retrouve des fleurs, des insectes, des animaux, tout en rondeur, tout en courbe. Il était appelé péjorativement le style nouille par ses détracteurs. Aussi, la rectitude est quasiment inexistante. Seules les courbes à profusion enrichissent les panneaux. Les couleurs vives sont une obligation, l'importance de la lumière est une nécessité. Ce mouvement évoluera très logiquement vers un style plus géométrique et moins haut en couleur qu'est l'art déco d'entre les deux guerres. Aussi, les meubles sont un mariage illustre entre le bois et le fer. L'Art nouveau est certainement le plus révolutionnaire des styles. Il dérange autant qu'il fascine. On s'emploie hélas, dès le milieu des années 20, à démonter ses réalisations, à commencer par certaines stations de métro. Jusqu'à ce que les pouvoirs prennent enfin conscience de l'intérêt culturel de tels travaux et finissent par protéger et même restaurer un bon nombre de bâtiments. L'Art nouveau entre par la fenêtre, les vitraux étant les plus représentatifs de ce style décoratif. La femme est la source d'inspiration continuelle, elle prend toutes les formes, on la sculpte, on la peint, elle est d'ivoire, de céramique et même de verre. La femme éclipse totalement l'homme qui n'a plus sa place dans l'Art nouveau. L'Art nouveau est une réaction révolutionnaire et poétique à une époque de tourmente et de guerre. La technique du travail du fer a permis également de réaliser des œuvres délicates de motifs décoratifs qui n'étaient alors possibles qu'avec le bois. On a dicté des règles, mais on en a aussi brisé quelques-unes. Libre à vous de trouver le style qui vous convient, de mélanger les époques et les différents mouvements artistiques et de créer à votre façon un néologisme décoratif, votre monde. Les styles décoratifs accompagnent dans leur vie leurs contemporains. Ils ne seront jamais appréciés de la même manière que vous soyez tchèque, anglais ou africain, car l'histoire et les hommes font les décors de leur maison. Lorsque je rentre chez un ami, un parent, c'est un peu de lui que je contemple. Les autres font toujours voyager un peu. Tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.